famille Goyave et on est à Osaka. C'est bon. Alors, notre appartement de Osaka, on arrive tout à l'heure. Voilà. Le salon. La salle de bain. Les toilettes. Soupe de toilette japonaise, maman. Et la chambre. Ah si, il y a les toilettes japonaises. J'ai tout eu peur. Et une autre salle de bain. Ah oui, une autre salle de bain. Ouvre, ouvre les volets. Ouvre les... Sur les montants en haut. Superbe vue sur d'autres bâtiments. Il y a un fer à passer. ただ疑えない。負け犬か英雄かぶちかませ、一緒に一生を継ぎ
もやめた。生まれた意味だとか大それた何かがここにはありそう。泣かしているんだ、涙出て抱きしめて弾き切れてしまいそうな気持ち、今すぐに会いたくて、時に出なされてなじられて、それでもね諦めずに理由にならない、むしろ僕を燃やし続ける。Alors je me promène dans la galerie marchande depuis un bout de temps. Et il faut savoir que donc ici ça s'appelle les Shotengai. Et je crois que c'est le Osaka le plus long au monde. J'ai cru me souvenir qu'il fait 3,6 km de long.
ればどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。闇であなたの背をなぞった、その輪郭を鮮明に覚えている。受け止めきれないものと出会うたび、溢れて止まないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない。On est à l'aéroport de Osaka et donc voilà, encore une, un drama. Anna a oublié son téléphone dans les toilettes. Et en principe, la réputation du Japon, c'est qu'on retrouve toujours tout ce qu'on oublie quelque part. Bah, là, on ne le retrouve pas. Et ça fait bien une heure et demie que je tourne avec Kata pour savoir où trouver les objets perdus et tout, c'est compliqué. Les hommes et femmes de ménage nous ont aidé un peu, mais c'est vraiment très compliqué. Et résultat, je pense que quelqu'un nous l'a volé, parce qu'il ne les trouve pas dans le service des objets retrouvés, tout ça. Donc je pense qu'on nous l'a volé. Voilà, alors c'est peut-être pas des Japonais, on verra, c'est vrai. Donc voilà, cette vidéo pour dire en fait ce qu'on a apprécié vraiment au Japon. Je commence. Tu commences. Alors moi, qu'est-ce que j'apprécie les transports, sont vraiment bien, il y en a tout le temps, ils sont tout le temps à l'heure, mais vraiment tout le temps à l'heure. Les chauffeurs, ils sont super gentils, les gens sont très gentils aussi, ils te laissent passer lorsque tu as des valises, les gens laissent les vieilles personnes s'asseoir, c'est très, très humain, les gens se disent bonjour, et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Quoi d'autre ? Les combini, bon, je trouve que les combini, les convenience stores, les combini au Japon sont de meilleure qualité au niveau des sandwichs, des plats préparés, des gâteaux. La seule chose qui est moins bien qu'en Corée, c'est le fait qu'on ne peut pas manger dedans. Il y a certains combini qui permettent de manger dedans, mais il faut payer une surtaxe de 10%. Et puis c'est que des boxes de une personne. Donc manger dedans, c'est compliqué. Mais sinon, les combini sont vraiment bien. La propreté au Japon, elle est vraiment nickel. Je trouve qu'elle est nickel. Est-ce qu'il est bien ? Vous pouvez parler quand vous voulez. Moi, j'ai bien aimé la nourriture. C'était plus diversifié. Il y a beaucoup moins de panure, beaucoup moins de friture. Et tout ce qui concerne la nourriture, c'est beaucoup plus sain. Et moins sucré aussi, moins sucré, parce qu'en Corée c'est vraiment très très sucré. Là ça l'est moins. Après la nourriture, elle est un peu plus variée, mais c'est pas non plus la France. Enfin, la France, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus varié ici. Mais sinon c'est vrai, la nourriture était vraiment bonne et les sushis étaient vraiment pas chers. Mmh. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans les rues. J'ai bien aimé des restaurants avec des sushis sur les tapis roulants. Keiten sushi. Keiten sushi. Ah.
Et aussi les vieilles personnes, elles sont hyper mignonnes et tout. Ouais. J'ai bien aussi aimé mon téléphone. Ah oui, ce qui est surprenant, ce qui est surprenant aussi, c'est que ici, les vieilles personnes travaillent vraiment très très tard. En fait, quand je vous parlais des femmes et hommes de ménage qui nous ont aidés, c'est la femme de ménage, alors 70 ans, facile. Et pour revenir à ce qu'on a aimé, moi j'ai bien aimé la rue Bokkomburi, parce qu'avec tout ce qui est les grands écrans, l'animation, le monde, je préfère quand même. Bon, ça va être plutôt la même chose, mais au niveau ambiance, je préfère quand même les rues de Séoul, parce que c'est une autre ambiance, mais je veux dire, ça se ressemble, je trouve, au niveau de. Et c'est plus jeune, que les autres quartiers. Ah oui, il y a un autre qui est vraiment bien, mais je sais pas si à Séoul c'est pareil, ou en Corée c'est pareil, c'est au niveau Maps. L'utilisation de Maps est vraiment très très bien. Quand on fait des itinéraires, ça nous dit quel train prendre, sur quelle voie, quel wagon prendre pour faciliter la sortie. C'est vraiment super. Et puis Maps aussi marche très très bien au niveau des bâtiments. Lorsque vous êtes dans un bâtiment avec Maps, vous pouvez avoir un plan de chaque étage. Donc c'est vraiment super bien. Je ne suis pas sûr qu'en France, il soit comme ça. Et les bus sont toujours à l'heure. Il a déjà dit. C'est pas grave. À la seconde. Quoi d'autre? À la minute. J'attends toujours. Un peu. Qu'est-ce qui est bien au Japon? À part les gens gentils, les gens sont super gentils. En général, après, oui. Mais des fois, enfin, ils ne faisaient pas forcément trop d'efforts non plus. Bon, après, on pourrait aussi, mais trop d'efforts pour parler anglais. Oui, enfin, je pense qu'ils font même moins. Il y a moins d'efforts. Ils parlent moins anglais qu'en Corée. Mais au niveau effort, si, je pense qu'ils en faisaient. Après, ça dépend. Oui, mais. Ça dépend des personnes. Bon, bah, c'est tout. Quoi, toi d'autre? Rien d'autre, toi? Pas, non, les temples, c'est vraiment super. Moi, je trouve super joli, les temples. Mmh. Moi, je t'aime. Ils sont pas tout en rouge. Moi j'aime bien qu'ils mettent de l'eau. Pourquoi? Mais de l'eau où? Bah tu sais, avec les louches là. Ah oui, avec les louches. Mmh. Oui, c'est. Moi j'aime bien. Mmh. Ouais, c'est tout. Au revoir. Le tour du dernier appartement à Séoul. Bon là il y a toutes nos valises. Plus ça va et plus on a de valises. On en a racheté 3 pour nettoyage. Alors première chambre, poussez-vous les enfants. Première chambre. Hop, filé. Tac. Voilà, Ariane. Maman, comme ça. Une sage de bain. Comment on fait pour amener la lumière ici? Non, mais je suis pas venu. Et la dame. La salle des machines. La deuxième chambre. Et la dernière chambre. Voilà. Yeah. 새로운 느낌.